Bon, c'est un match bizarre. On s'attendait à une plus grosse pression de l'adversaire. Et en fait, on n'a pas eu. Après, il y a eu des décisions arbitrales bizarres. Mais bon, il faut faire avec. À l'arrivée, on a été récompensé parce qu'on a osé, parce qu'on a continué. On n'a pas lâché. Tout le monde veut battre le TP. C'est compliqué de battre le TP. C'est compliqué de marquer les buts, mais si à chaque fois on s'en sort avec les 3 points, je suis content. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Vous voulez tout. Je vous l'ai dit, si vous voulez ça, ne restez pas au Congo. Allez voir Madrid, le Bayern de Munich. Allez voir ces gens-là, d'accord? Et puis, peut-être que vous allez comparer les joueurs d'expérience, les jeunes qu'on a, d'accord? Qui sont en pleine progression. Ce genre de match où il y a un peu plus de pression, un peu plus d'agressivité, ça va leur donner un peu plus de confiance, un peu plus d'expérience. Il y a plein de choses que moi, je trouve qui sont positifs par rapport aux joueurs que j'ai. Le petit patient qui n'a pas l'habitude de se faire un peu rentrer dedans. C'est ces matchs-là qui vont le faire grandir. D'accord ? Et si on arrive à faire ça et on ressort avec une victoire, je suis heureux. Ça veut dire qu'on arrive à tenir. Pour avoir un match ouvert, il faut 2 équipes qui jouent. D'accord ? C'est compliqué, c'est facile de détruire, c'est plus compliqué de construire. Okay ? Nous, tous les matchs, on doit se heurter à des défenses basses, à des gens qui défendent bien, à créer, à se tromper, à créer et à recommencer jusqu'à que ça marche. D'accord ? C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire le plus difficile, la construction du jeu.